Bonsoir à tous. Bonsoir. On est ravis de vous retrouver ce soir pour un nouveau live sur le thème de la personnalisation des accessoires d'été avec Cricut. Et nous sommes ce soir avec Fabien de Cricut. Bonsoir, enchanté. Et je suis ravie d'être avec toi ce soir, Laure. On fait un grand coucou à Colline. Hein. Mais voilà, ce soir, on a décidé qu'une présence masculine serait tout à propos pour ce thème. Parfait. Merci de m'accueillir, en tout cas. Et ben, avec plaisir. On va passer une heure ensemble sur ce live. Voilà, comme je le disais, autour de la personnalisation des accessoires d'été. Et notamment, on va vous montrer comment personnaliser des chapeaux, des casquettes, tout type de chapeaux. On a pas mal d'exemples. Ah, je vais vous montrer. Des casquettes, des chapeaux et même des bobs. Parce que quand on parle de chapeaux... Oui, tout voilà, à fait. Et d'ailleurs, bah, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous portez plutôt des bobs, des casquettes, des chapeaux de paille. Voilà, tout ça. On va aussi vous gâter grandement, comme d'habitude, pendant ce live. Donc surtout, n'hésitez pas à vous inscrire sur le Google Form que nos modératrices vont vous mettre en lien dans les commentaires. Vous pouvez vous inscrire et donc tenter votre chance pour gagner des super lots. Donc il y aura deux lots, dont le plus gros à la fin de ce live. Une très belle surprise, et en plus à l'approche de l'été, c'est génial. Et l'été, ça t'inspire quoi quand on dit « Ah, il y a l'été qui arrive !» Qu'est-ce que tu vas faire comme objet ou comme personnalisation? Alors moi, je crois que je suis pas mal dans la personnalisation des foutas, tous les accessoires pour la plage, les petites pochettes. Voilà. Ça, par exemple, c'est ce que j'ai découvert quand je suis allé fouiller dans les tiroirs. On va vous montrer. Des tote bags, mais c'est super. Celui-là, il est particulièrement beau. Vous le retrouvez, tous les projets qu'on vous montre là, vous les retrouvez sur notre profil Cricut France dans Design Space. Celui-ci, il a été réalisé avec le thermocollant qui réagit aux UV. Mmh. Donc là, il n'y a pas de soleil, on ne peut pas vous montrer. Il y a du soleil dehors, hein, je confirme. Il fait très, très beau en ce moment. Il fait très, très beau, effectivement, et très chaud. Mais en tout cas, voilà, il change de couleur avec les UV, donc c'est très, très sympa. C'est toujours sympa d'avoir des t-shirts quand on est entre potes, etc. Bah, d'avoir des t-shirts sympas qui rappellent l'année. Et puis l'année d'après, bah, on l'utilise pour autre chose, etc. Mais au moins, on a le t-shirt de l'année qu'on peut personnaliser. Toi, tu es surfeur, si j'ai bien compris. Voilà, je suis surfeur. Surfeur en Normandie. Ça, c'est super important. La Normandie, c'est très connu pour le surf. Dites-nous d'où vous nous regardez, quelle région. Oui, on est assez curieux. Ouais, on a envie de voir. Il y a des petites trousses, mais ça, on a déjà montré. Alors, le truc que j'aime bien, parce que... Ça, c'est fait avec du thermocollant doré, tout simplement. Vous pouvez le faire avec toutes les machines de découpe, là, ma pointe fine, et un transfert à chaud. Et puis, l'été, qui dit été, dit apéro en terrasse. Avec entre modération, amis, bien sûr. Bah, tu n'es pas obligé de boire de l'alcool, hein. Tu peux boire oui, des jus tout à fait. Non, mais même l'apéro, avec modération. Même l'apéro à modération. Ah, d'accord. Cacao. Okay, et on peut faire des petits plateaux comme ça, avec la recette, par exemple, du guacamole ou. Des choses comme ça. Ah oui, désolé. Hop, voilà. Et moi, mon petit produit, article favori, c'est quand même le sac à vin. Voilà. Ah oui. Voilà, pour transporter sa petite bouteille ou même pour aller l'offrir, qu'on peut personnaliser. En fonction de ce qu'on met à l'intérieur, en fonction de avec qui on va aller boire un coup, ça peut être très sympa. Pour offrir une belle bouteille. Pour offrir une belle bouteille, ou se la boire, ou se l'offrir. N'est-ce pas? Voilà, bon, bah, écoute, c'est toujours sympa. Et l'été, voilà, c'est vraiment mille et une choses. Et puis. Donc, ça, c'est fait avec de l'Infusible Ink sur un pochon, c'est des pochons à vin Cricut, fait avec de l'Infusible Ink. Et puis après, il y a aussi les petits, des petites choses. Ah oui! La crème solaire. La crème solaire. Évidemment. Et ça, voilà, pour la plage, pour mettre sa petite crème solaire, on peut personnaliser des petites étiquettes. Attends, je vais le rapprocher pour que tout le monde puisse le voir. Et là, c'est du vinyle inscriptible transparent. Bon, on a un peu utilisé la crème, hein, vous voyez, il en reste. Ouais, il n'en reste plus beaucoup. Laure, l'utilisatrice de crème solaire, il y a ça aussi pour aller à la plage, c'est toujours sympa. Ça permet d'avoir une pochette, de voir ce qui se passe à l'intérieur et de la personnaliser, de ne pas avoir la pochette de monsieur et madame tout le monde. Et ça, c'est hyper Regardez, important. Il reste même du sable à l'intérieur. Attends, on a des gens de Belgique, on a des gens de Normandie, de Mayenne, de Nantes, de Carcassonne, de Bretagne. La Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne. C'est super, on va faire un tour de France.
Bah, merci beaucoup en tout cas de passer ce moment avec nous. Peut-être qu'on peut commencer par dévoiler le premier lot. Qu'est-ce que tu en penses? Tu crois? Allez, on va dévoiler le ouais. premier lot. Je te laisse le dévoiler parce que c'est un super lot. Alors, on va vous offrir dans la première partie de ce live un lot de casquettes avec de l'Infusible Ink. Donc pour cela, ça va être très simple. Il va falloir aller liker le live sur YouTube et sur Facebook. Et quand on arrive à 200 likes, nos super modératrices qui vous répondent en commentaire tireront au sort quelqu'un qui gagnera voilà, ce lot de casquettes et de rouleaux d'Infusible Ink. Un super lot. Et puis, je vais veiller quand même au compteur. Et je vous préviens, dès qu'on arrive à 200 et sur Facebook et sur le live YouTube, et à partir de là, on pourra lancer le tirage au sort. Alors, je vois qu'on a des personnes du Québec qui sont là, région qui nous tient particulièrement à cœur. Mais malheureusement, on ne peut pas envoyer les lots au Québec. Je suis vraiment désolée, mais en tout cas, on est ravis de vous avoir avec nous. Et voilà, on espère que vous allez passer un bon moment avec nous. On nous demande s'il va y avoir des nouveautés dans les semaines à venir. Tiens, c'est une bonne question pour toi. Il y a déjà beaucoup de nouveautés depuis quelques semaines, puisqu'on a le Change Color. On a le Change Color donc, au chaud, Change Color au froid, donc, qui va changer à partir d'une certaine température. Donc, un vinyle, effectivement, vinyle quand on met un liquide froid qui change de couleur, ou un liquide chaud d'ailleurs. Chaud, d'ailleurs, là-dessus aussi. On a le Change Color aussi à l'UV qui change en fonction de si j'expose mon produit et ma réalisation à l'UV. On a pas mal de choses en consommables qui sont sorties. Et donc voilà, on a sorti pas mal de nouveautés qui sont en train d'arriver dans différents magasins. Et d'ailleurs, j'en profite hein, parce que lorsqu'on parle de consommables, petite parenthèse commerciale, puisqu'en ce moment, chez la plupart de nos commerçants et finalement revendeurs, on a 20% de remise sur le consommable. Et c'est vraiment une très belle opportunité d'avoir du consommable Cricut pour la meilleure expérience et à ce prix-là, de faire des réserves et d'en profiter. Voilà. Ah bah Karine, qui est du Québec, elle dit pas de problème, je vais m'amuser avec vous aujourd'hui. On est ravis, Karine, de vous avoir. En tout cas, pour tout ce qui est nouveauté, vous retrouvez des vidéos très détaillées sur la chaîne YouTube Cricut France, avec vraiment des vidéos détaillées qui vous expliquent exactement ce que font les nouveautés. Donc, vous pouvez voir le changement de couleur vraiment en live dans ces vidéos. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ces vidéos. Et la dernière vous montre comment personnaliser trois chapeaux. Et on est vraiment dans un décor très estival. On a pris beaucoup de plaisir à faire ce tournage. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller liker, nous mettre un petit commentaire sous cette vidéo pour personnaliser vos chapeaux. Et ben moi, peut-être que je vous propose qu'on passe à la démo. On va personnaliser une casquette. On va personnaliser une casquette dans cet esprit, avec des grosses fleurs un peu 70s. C'est un design que vous retrouvez sur notre profil Cricut France dans Design Space. Et c'est une image d'un de nos artistes contributeurs. Donc, ce sont des artistes qui dessinent des designs spécialement pour Cricut et que vous pouvez utiliser donc dans la bibliothèque d'images. N'hésitez pas à aller chercher, fouiller et vous inspirer sur Design Space. D'accord. On nous dit que le live n'a pas démarré sur Facebook. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer? Non, il a démarré. J'ai une personne de la Somme, de l'Isère, de partout. Ils sont de partout. Alors, nos modératrices nous disent qu'il a bien démarré. Moi, je suis en modération. Voilà, donc à fond. En plus, Facebook, on a une communauté très active. J'espère que là, les likes, ça... Voilà, donc vous avez un défi. Challenge, c'est battre YouTube. Voilà. C'est non seulement 200, mais c'est battre YouTube. Voilà. Facebook, OK. On nous dit Facebook, OK. Bon, si Facebook, OK. Je te propose de passer à la partie réalisation. Je te laisse, donc merci. Je vous laisse avec Fabien, mais on répond à vos questions. On va répondre à vos questions en attendant que Laure se prépare. Hop. Alors, comme vous...
Et là, vous avez du son? Vous nous entendez? Vous entendez? Ou alors, c'est parce qu'il faut que je parle. Plus de son, en effet. Impossible de réactiver le son de votre invité. Oui, alors moi, mon son est coupé pour là, ne pas créer d'interférence. Oui, c'est bon, là. Donc, on va voilà. C'est ce qu'il faut laisser la caméra. Donc, on va devoir te voir en parallèle de moi. Et moi, en parallèle de toi. D'accord. Ouais, voilà. Donc là, c'est bon, vous entendez? Oui, c'est bon. Tout est OK. Vraiment, j'entends. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Oui, ça, ce sont des casquettes Cricut qui existent en noir et blanc, mais qui existent aussi en grise. Je vous montre ici. Et elles sont composées de polyester. Celle-ci est déjà donc personnalisée avec un monogramme. Et ce qui nous permet d'utiliser de l'infusible ink. L'infusible ink, c'est de la sublimation. Donc, c'est un procédé qui va vraiment permettre de rentrer dans la matière, d'infuser la matière. Et en fait, quand on passe le doigt, on n'a pas du tout de surépaisseur. Donc, c'est vraiment, ça a pénétré dans la matière. Je pense qu'on le voit bien ici. On voit bien, là. Ça passe à la machine à laver? Exactement, on peut le passer à la machine à laver. C'est très résistant, les couleurs sont très denses. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas personnaliser d'autres chapeaux. Fabien, peut-être que tu peux montrer le superbe bob que tu as derrière toi. Ah, j'aime bien, j'adore voilà. Ce bob. Alors, je ne le porterai pas. Voilà, mais je le trouve superbe parce qu'il est très bien personnalisé. Il est super bien réalisé sur un coton. C'est du coton. C'est ça, c'est du coton. Donc, c'est top. Allez, je le mets pour vous faire plaisir. Voilà. Magnifique. Et alors là, c'est la photo parce que voilà, clairement, c'est pas tous les jours. La capture d'écran. Voilà, la capture d'écran. Mais en tout cas, c'est un super bob personnalisé là-dessus. Et c'est sympa parce que finalement, jusqu'à présent, on avait que des casquettes un petit peu standards ou des casquettes qu'on trouvait dans le grand public. Et grâce à cette AdPress, on va pouvoir personnaliser l'ensemble des casquettes, aussi bien pour la famille, pour les amis, pour des événements ou des choses comme ça. Et l'avantage vraiment, c'est d'avoir quelque chose d'original à son image. Voilà. Donc, allez, on passe à la démo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions et n'oubliez pas de liker sur Facebook et le live sur YouTube pour qu'on arrive à 200 minimum pour qu'on puisse lancer le tirage au sort. Excuse-moi alors, concours important. Donc, ce qui est important de préciser, c'est que la AdPress est connectée en Bluetooth. Donc, en fait, grâce à l'application Cricut Hit, que vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Oui, on voit. Je vais, en sélectionnant ma AdPress, et je vais commencer un nouveau projet. Et les informations de durée d'utilisation et de temps de chauffe vont automatiquement régler la AdPress. Comme ça, je n'ai pas à aller sur les guides de chaleur. Tout se fait automatiquement. Et je suis complètement guidée par l'application. Donc ici, ma AdPress est connectée en Bluetooth. Je vais sélectionner mon matériel. Ici, je vais utiliser des feuilles de transfert Infusible Ink. Donc, on est complètement guidé de A à Z pour une fois qu'on a découpé notre motif avec l'application en fonction des matériaux qui sont choisis, en fonction de ce que je veux faire et sur quoi je veux le déposer. C'est l'application qui nous guide complètement. Exactement. Et ensuite, on me permet de choisir en fait si j'ai un support Cricut ou si j'ai un autre support. On peut utiliser tout type de support. Donc là, j'ai une casquette. Voilà. Je clique sur suivant. Si éventuellement on peut regarder un tutoriel, si on a besoin d'être guidé encore plus, mais sinon on va tout simplement envoyer les paramètres à la machine. Et là, on va me guider étape par étape. Ah, on a une question. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser et d'avoir l'application pour utiliser la AdPress? On peut aller sur le guide de chaleur. Sur le guide de chaleur, on allume et puis finalement, on prend sa AdPress. Donc, l'application n'est pas obligatoire, mais elle vous aide. Enfin, ça simplifie la vie. Enfin, pour moi, personnellement, je ne peux pas m'en passer. Donc là, pendant que ma presse est en train de chauffer, là, on voit qu'il reste 30 secondes restantes jusqu'à atteindre la bonne température pour que je puisse transférer mon motif, je vais placer la forme à chapeau dans la casquette. Cette forme à chapeau, elle a une forme qui permet vraiment d'étirer parfaitement la matière pour qu'on puisse avoir un transfert très bien appliqué. Là, je ne sais pas si vous avez entendu le petit bip de la AdPress qui me dit que elle a... Tu luttes, c'est ça. Exactement. Voilà, donc vous entendez. Atteint,
Et puis, cette poignée me sert aussi, en fait, à bien maintenir tous les éléments. Voilà, je peux avoir les deux éléments placés comme ça. Donc là, j'ai atteint la bonne température de chauffe. On me demande de préchauffer mon support 5 secondes en faisant un mouvement constant. Donc, je vais faire des va-et-vient en exerçant une légère pression. Donc, quand je prends... Enfin, il faut toujours faire attention parce que c'est chaud. Je vais à chaque fois actionner ce bouton pour lancer donc, les 5 secondes. Est-il possible de personnaliser une casquette avec la Easy Press quand on n'a pas la Hat Press? Oui, on peut utiliser la Mini Press. Peut-être que oui. Tu peux la montrer et puis moi je vais montrer continuer. La Mini Press. Je vous trouve. Elle est juste là. Regarde devant toi, juste ici. Et puis moi, je continue. Vous pouvez utiliser la Mini Press, mais très clairement. La Mini Press sera plus compliquée pour appliquer votre support. Et vos matériaux sur le support. Donc, ce que l'on recommande très clairement, c'est la Hat Press parce qu'elle a cette forme arrondie qui va permettre d'épouser la forme de la casquette et la rondeur du chapeau pour une meilleure application. Donc, simplicité d'utilisation. Oui, bien sûr, on peut utiliser la Easy Press et le faire, mais on va vraiment recommander la Hat Press qui simplifie la vie. Alors là, en fait, pour gagner un petit peu de temps, on a déjà découpé nos motifs dans l'Infusible Ink. On a choisi deux couleurs qui sont issues de cette jolie collection un peu pastel. Et en fait, on va carrément aussi venir faire de la superposition, c'est-à-dire que j'ai mes pétales qui sont dans une couleur et j'ai le centre qui est dans une autre couleur. Et je vais directement placer mon centre. Alors, juste une question pendant que tu es en train de passer. Ouais. Ton centre, c'est-à-dire que on n'est pas obligé d'utiliser l'application à chaque fois qu'on utilise la Hat Press. Par contre, sur la première utilisation, on doit initier et activer la Hat Press avec l'application. Une fois que c'est fait, on n'est pas obligé par la suite. Voilà. Alors donc là, j'ai fait mes deux couleurs pour avoir une jolie superposition de couleurs. J'ai placé, pendant que Fabien vous expliquait et répondait à vos questions, le premier motif qui était une autre petite fleur exactement pareil, je vous montre celle-ci. Donc on avait déjà placé les centres pour gagner un petit peu de temps. Je vais la retourner et la placer avec du scotch résistant à la chaleur. C'est très important d'utiliser du scotch résistant à la chaleur. Il est fourni avec la Hat Press. Parce que si vous placez du scotch classique, il risque de fondre à l'utilisation. Donc moi, j'aime bien utiliser pas mal de scotch pour bien fixer mon motif. Et en parlant de Hat Press, excuse-moi, mais je crois que la Hat Press en ce moment, elle est en promo, elle est en promotion chez nos revendeurs. Donc je vous invite à aller visiter soit leur site web, soit les magasins pour aller voir le prix promotion de la Hat Press. Qui est en promotion en ce moment, et ça peut faire un super cadeau pour la fête des mères ou pour la fête des pères, ou ça peut être un super cadeau à vous faire pour faire des cadeaux pour la maîtresse, vos enfants, enfin des classes, ou faire un bob pour la fête des pères, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans vos points de vente revendeurs la Hat Press qui est en promotion, comme le consommable qui... et à moins 20% en ce moment et jusqu'au 4 juin. Et la Hat Press, ça va durer un petit peu plus longtemps. Et d'ailleurs, vous avez pas mal de choses à découvrir sur nos réseaux sociaux et notamment sur Instagram, sur des challenges qui concernent les casquettes. Je ne sais pas combien on en est. Je vais aller vérifier à combien on en est sur Facebook et notre live. On va demander à notre modératrice. Et je vais te laisser parler parce que je coupe souvent la parole et je crois qu'on va dépasser les 21h dans ces cas-là. Je me tais. Alors, en fait, là, j'ai donc appliqué mes motifs sur ma casquette avec le scotch résistant à la chaleur. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que quand vous lancez votre découpe, n'oubliez pas d'activer la fonction miroir. Pour les motifs, ce n'est pas très important. Mais en tout cas, pour les écritures, il faut absolument que vous mettiez la fonction miroir pour que le texte soit découpé à l'envers et quand vous le reportiez, il soit parfait. Donc là, j'ai toujours mon application qui a attendu que je fasse mon petit collage, qui me dit que je vais devoir presser, on voit bien là, pendant 90 secondes, un constant mouvement et une pression légère. Donc, je replace ma main dans la petite poignée. Et
je vais plutôt faire comme ça. Et je réactive le bouton qui clignote. Qui clignote pas d'ailleurs. Et j'y vais. Donc, n'oubliez pas d'aller remplir le Google Form, de liker notre page Facebook, le live sur YouTube, pour qu'on arrive à 200 et qu'on puisse lancer ce concours et vous annoncer le prochain lot qui sera tiré à la fin de ce live. Alors là, je ne sais pas si on voit l'écran à côté qui fait le décompte. Oui, on voit sur, ouais. Sur le petit tapis. Je ne lâche pas parce qu'il faut que je fasse des mouvements constants. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ces mouvements constants, Laure ? Ben, en fait, c'est tout simplement pour que la chaleur soit diffusée vraiment sur l'ensemble de la casquette et que le transfert à chaud soit parfaitement transféré sur toute la partie. D'accord. Est-ce que vous avez des questions ? Parce que n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On y répond avec plaisir. Des questions qui concernent la AdPress ou Cricut en général ou les consommables ou Design Space aussi. N'hésitez pas à nous poser des questions puisqu'on va bientôt lancer le tirage au sort. On va demander à nos modératrices à combien est-ce qu'on en est. 72 sur Facebook. Oh là là, c'est trop faible. Et 45 sur... Oh non, on va devoir annuler le tirage au sort. Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont tous en train de boire l'apéro en terrasse. Ah ben voilà, c'est à force de parler des apéros en terrasse, etc. Ben voilà, c'est ce qui arrive. Bon, il est 8h, 20h23. On va se dire qu'on va... Excuse-moi, je te coupe. Mais, priorité au direct. Voilà, priorité au direct. Là, mon transfert est terminé. Et on me l'a indiqué, la AdPress a sonné, donc je la repose sur son support. D'ailleurs, c'est un support spécialement conçu pour protéger votre surface de travail. Et encore une fois, l'application me guide en me disant « retirez le film protecteur une fois que tout est refroidi ». Donc, je vais repasser peut-être... de l'autre côté, le temps que ça... Voilà, très bien. Et moi, je vais préciser simplement une chose par rapport aux commentaires que j'ai eus. Il n'est pas nécessaire d'avoir une AdPress pour participer au challenge AdPress sur les réseaux sociaux Cricut. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, je vous disais qu'il y avait une belle promotion en ce moment. En ce moment, la promotion, elle est de 20 euros de remise sur la AdPress par rapport au prix normal de vente publique, ce qui la rend attractive à 139 euros, donc ce qui permet... après de se faire plaisir. J'ai vu aussi une question, est-ce qu'il existe des tailles enfants sur les casquettes ? Il n'y a pas de taille enfant, on est sur des tailles, on va dire, standard adultes. Après, nous, voilà ce qu'on recommande pour la meilleure expérience. Donc, bien sûr, on recommande du consommable Cricut avec des supports Cricut. Si ce n'est, Cricut n'a pas pour les enfants ce type de taille, vous pouvez trouver dans le commerce des petites tailles pour enfants. Bien sûr, il faudra adapter la boule pour remplir la casquette ou le chapeau enfant là-dessus, mais voilà. Alors, on a pas mal de personnes qui disent qu'elles ont peur de se lancer et peur de rater, mais comme vous le constatez, l'application, elle vous guide vraiment dans toutes les étapes. La température est réglée, le temps est réglé, ça sonne quand c'est fini, ça vous dit de préchauffer, ça vous dit d'attendre pour retirer le film protecteur. Donc, moi, je peux que vous recommander de vous lancer et puis au pire, voilà, vous allez peut-être avoir un échec, ça nous est arrivé aussi de rater. En tout cas, c'est comme ça aussi qu'on apprend et qu'on peut réussir ses projets. Donc, surtout, lancez-vous. Alors, on a une question. On peut tout à fait personnaliser des modèles enfants avec la forme à chapeau. La forme à chapeau qui est fournie avec la AdPress, tu peux la montrer. On peut enlever la casquette le temps que ça refroidisse. Voilà. Donc le chapeau là-dessus, on peut mettre les chapeaux de tout type de taille, il faut remplir. Et ensuite, comme c'est quelque chose qui est assez malléable, on peut finalement venir remplir la forme, le chapeau, que ce soit une casquette. On a déjà fait un bob pour enfants. On essaie de le mettre aussi dans ce sens-là. Donc c'est quelque chose qui est complètement, adaptable. Voilà, je regarde un petit peu les questions. Pelage à froid, effectivement, là, l'application nous demande d'attendre que le tout soit refroidi pour peler à froid. Et on en est à combien sur Facebook et YouTube ? Parce que là, on va devoir lancer le tirage au sort. On va dire toujours 72 ? On attend 75 quand même, parce que hein, on va dire 75. Et sur YouTube, on est à combien ? 53. On est déçus. Facebook a battu YouTube.
Alors, on a une question qui nous dit, j'ai l'impression que c'est plus facile de faire Infusible Ink au lieu du thermocollant avec son épaisseur. Non, il n'y a pas de difficulté. Peut-être que si on a le temps, je pourrais enlever un motif de notre décor. Voilà. Voilà. Ça, c'est du thermocollant. Et je vais vous faire une démo après, si vous restez avec nous, sur une casquette grise avec un joli motif. C'est du thermocollant qui change de couleur avec la chaleur. Donc, je vous ferai une démonstration. C'est aussi... Alors, on a une question sur laquelle on a déjà répondu. C'est quelle matière pour que ça tienne sur le tissu? Ça dépend du type de matériaux qu'on va... voilà, exactement. Utiliser. Alors, soit on a envie de personnaliser des casquettes avec de l'infusible ink. Donc, c'est vraiment la matière qui... Enfin, c'est vraiment le transfert va s'infuser dans le tissu, profondément dans les fibres. Et donc là, il faut au minimum 70% de polyester. Vous pouvez utiliser des supports compatibles Cricut, mais vous pouvez aussi utiliser, si vous trouvez des casquettes en polyester, j'imagine que ça doit se trouver. Sinon, vous utilisez du thermocollant pour tous les autres matériaux. Là, par exemple, on a fait une version un peu plus automnale, voilà, avec du thermocollant. Donc, on a créé toute une bande autour du chapeau. Ça fait partie des chapeaux qu'on a personnalisés. Dans la vidéo YouTube, vous pouvez également mettre du thermocollant sur des casquettes en polyester, il n'y a aucun souci. Hein. C'est vraiment, ça, c'est du thermocollant. Je crois que le chapeau fait un succès et que si on le mettait en lot, en tirage au sort, on aurait un succès. Non, on va peut-être le retirer, mais franchement, très simple. Avez-vous une astuce pour décoller du flex quand le flex est mal positionné? Alors, je crois que certaines personnes arrivent en chauffant au dos à redécoller le thermocollant, mais moi personnellement j'ai jamais essayé. Je ne sais pas si tu as déjà essayé. Jamais, mais on peut essayer et puis faire un retour d'expérience par la suite. Alors je vais me remettre du côté démo pour vous montrer le résultat de ce transfert. Allons-y. Pendant ce temps-là, on va demander le nombre de participants et de likes sur Facebook et sur YouTube. Et puis on va lancer le tirage au sort. 72. Bon, exceptionnellement, on lance le tirage au sort, mais on compte sur vous sur la fin de ce live pour avoir plus de likes. Donc là, je vais venir décoller mon motif. Hop, je vais commencer par celui-ci. Tout a bien refroidi. Et voilà le résultat. Magnifique. On est sur un Infusible Ink effet aquarelle. Donc, on voit bien... les différentes teintes, comme si on avait aquarellé, et le centre qu'on a joué dans une couleur différente. Et là, on peut vraiment voir que le transfert a super bien marché. Enfin, j'ai bien appliqué la pression parce qu'il n'y a plus aucune couleur. Je vous montre les motifs que je n'ai pas appliqués à côté. Donc, il y a bien de la couleur dessus. Alors que là, toute la couleur a été transférée sur ma casquette. Marine Beaumane. Marine Beaumane, oui. Qui est la gagnante. Oui. Félicitations Marine, eh ben, tu as gagné le premier lot de casquettes et d'Infusible Ink. On va prendre tes coordonnées, on va t'envoyer tout ça très rapidement. Félicitations. Donc voilà, hop, on a jolie casquette. Jolie casquette. C'est celle-ci qu'on peut offrir. C'est celle-ci qu'on peut offrir et pas le chapeau, parce qu'il y avait vraiment la demande sur le chapeau. Ah, le Bob, et le Bob. Et Bob, est-ce que tu veux te gagner? On offre le Bob, alors... On offre le Bob. Dans le deuxième lot, c'est le... Ah, ça peut être le petit plus, non? Donc, pourquoi pas, oui, bien Allez. Sûr. Soyons fous, on va offrir le Bob avec. On vous envoie le Bob dans le deuxième tirage au sort. Alors, est-ce que nos modératrices pourraient nous donner une autre casquette, peut-être grise, pour que je puisse faire une autre démo avec du thermocollant? On n'avait pas prévu cette deuxième démo. Eh bien, on va en profiter pour lancer le concours, le deuxième tirage au sort. Désolée. Donc, le deuxième tirage au sort, accrochez-vous, le Bob. Non seulement le Bob, mais on va rajouter à cela une AdPress. Voilà, une AdPress à gagner. Donc, pour gagner ce magnifique Bob rouge et la AdPress,
Alors là, il va falloir aller liker, merci beaucoup, le projet sur notre profil Cricut France dans Design Space. Donc tout simplement, on ne voit plus. C'est normal, c'est le milieu. Donc il va falloir aller sur notre profil Design Space Cricut France. Nos modératrices vont vous mettre le lien. Et tout simplement, aller liker ce projet. Et on peut dire que peut-être à 50 likes sur le projet. C'est tout, 50 des gros yeux. 80 80 Allez, 80. Et 80, 80, et on rajoute ça. Un cute. Alors là, 80, attends. Apparemment, tout le monde est très emballé. Et le chapeau. Donc le chapeau pour le cutis. Voilà. Et la adresse. Et la adresse. Et là, vous aurez la possibilité. Quand même, de... la totale, voilà. Je vous le mets de côté, hein, ils vous l'enverront avec. Et moi, je vous propose donc de faire une... Je ne veux pas me rendre les casquettes. Non, mais moi, je parle, alors je suis content. Voilà. Donc là, on va partir sur une casquette grise. On va mettre un joli motif sur le côté qui avait déjà été découpé. Il est en thermocollant qui change avec les UV. Voilà. Et donc, je repasse du côté démo pour vous montrer ça. Ah, un cutie rose, oui, ce serait pas mal. Je te lance la caméra. Hop là, ouais. Ah. Non. Ça n'a pas vu. Voilà, donc n'oubliez pas d'aller liker notre projet sur Design Space. Vous allez le retrouver sur Design Space. Likez-le et on lancera le concours à la fin du live, juste après avoir terminé cette création. Donc là, je suis de nouveau sur Commencer un nouveau projet. Je clique. Ma AdPress est toujours connectée. Je vais sélectionner un matériau pour le transfert. Donc ici, je suis sur un thermocollant qui change de couleur avec les UV. Et je suis sur un support personnalisable Cricut. Je n'ai qu'à cliquer sur « Suivant ». Et là, déjà, il y a quand même un résumé de toutes les informations pour que je puisse me préparer. Je vais préchauffer 5 secondes, presser 90 secondes et retirer le film quand tout sera froid. J'envoie les paramètres à ma AdPress. Et là, vous voyez, pour réaliser mon transfert avec l'Infusible Ink, la AdPress était à 205 degrés. Donc, il va falloir attendre 6 minutes apparemment que la température redescende. Voilà. C'est comme la fièvre, c'est toujours long. Voilà. Non, et alors, il y a Sabine qui dit « J'adore vos vidéos, super, mais est-ce que j'arriverai à faire aussi bien que vous ?» Mais évidemment. Mais largement. Même moi, j'y arrive. J'arrive à faire des casquettes, j'arrive à faire des tasses avec la meuf presse. Tu peux montrer ta casquette d'ailleurs ? Je peux montrer ma casquette ? Ouais. Allez, je montre la casquette. Franchement, je montre la casquette parce que nos origines normandes, alors vous le voyez sûrement, bah voilà, c'est alors là c'est pas activé au soleil, puisqu'on se répète, hein, la lumière qui est pas UV, mais voilà, c'est l'UV activé et donc qui devient bleu. Donc voilà, la casquette de la Normandie, on va dire ça, avec le Mont Saint-Michel en symbole. Voilà, donc on peut faire plein de choses avec ces casquettes et je trouve que c'est super sympa. Et donc, si moi j'y arrive, honnêtement, pourquoi pas vous? Enfin, voilà. Sûrement vous d'ailleurs. Une petite astuce que je vais vous donner, c'est que le scotch résistant à la chaleur, vous pouvez tout à fait le réutiliser. Donc, ne le jetez pas quand vous avez plusieurs projets. C'est un scotch qu'on peut utiliser. On n'a jamais testé combien de fois, mais a priori, ça colle assez longtemps. Donc là, de la même manière que tout à l'heure... Ah non, je vais devoir préchauffer. Alors voilà, ça, c'est une erreur qu'on peut faire. C'est vouloir aller trop vite et ne pas préchauffer son support. Donc, j'ai mes bouts de scotch. Hein, je vais attendre que la presse soit retombée en température. Peut-être que la modératrice va me dire à combien de likes on est sur notre compte Design Space. Notre projet, oui. Notre projet. Attention, notre projet. Compte. Mais vous pouvez tout à fait aussi aller liker notre profil. Le projet. C'est bon. 49. Oh, pas mal. On avait dit 140, c'est ça? Non. On y arrive. Est-ce que vous nous suivez? J'espère que vous nous suivez sur le compte Cricut France, parce que tous les projets que l'on vous partage sur nos réseaux sociaux sont toujours mis en public sur le profil Cricut France. Comme ça, ça vous facilite la vie. On est vraiment là pour vous inspirer et que vous ayez envie de créer très, très facilement.
Vraiment, on a pas mal de personnes qui viennent de Normandie. Moi, je dis ça, je dis rien, mais quand même. Bah, je pense qu'il faut que tu fasses des ateliers en Normandie. On va faire des ateliers en Normandie. Des ateliers normands au Pays d'Auge. Allez. Donc là, je vous montre la Hackspress est toujours en train de redescendre en température. Elle vous indique donc qu'elle est à 186 degrés, qu'il reste 4 minutes restantes pour arriver à la température parfaite pour mon thermocollant. Donc, on attend toujours. Alors, est-ce qu'on a des questions ? Questions. Vous retrouvez bien sûr tous ces produits chez nos revendeurs. La Hackspress en ce moment a un prix génial qui est à 139 euros. Donc, c'est 20 euros de remise. Vous avez 20% sur l'ensemble des consommables chez nos revendeurs qui participent à cette opération. Et ça, c'est une super opération parce que ça permet d'avoir du consommable Cricut qui permet d'avoir un très bon résultat et puis la meilleure expérience à un prix réduit. Donc, ça permet de faire aussi son petit stock et d'en stocker jusqu'à la rentrée, pourquoi pas. Et vous avez pas mal de promotions, notamment vous avez aussi la mug press. Alors, on n'en parle pas aujourd'hui, la mug press. On n'a pas de mug. Non, on n'a pas de mug. Voilà. Ah, des mugs. Des mugs, mais c'est pas grave. Mais tout le monde connaît la mug press. Il y a aussi des promos sur la mug press. Donc, n'hésitez pas à visiter le site web de nos revendeurs, pardon, ou aller en magasin, voir un petit peu ce qui s'y passe. Cricut vous y prépare des belles promotions et des belles surprises sur cette période de fête des mères, j'allais dire de fin d'année scolaire. Peut-être que vous pouvez nous partager vos derniers projets Cricut, nous dire ce que vous avez fait avec votre Cricut. Est-ce qu'on peut faire de la sublimation aussi avec les casquettes? Oui. C'est ce qu'on vient de faire. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Voilà. Le procédé de sublimation, quand on dit Infusible Ink, c'est de la sublimation finalement. Sabine, on répond à ta question là. Donc, la sublimation se fait sur les casquettes. Et ce qui a été fait là, par exemple, sur cette casquette, c'est un effet de sublimation. C'est la technique de sublimation. Et finalement, on dit Infusible Ink parce que Cricut a un savoir-faire assez avancé et qui permet vraiment de simplifier les étapes, tout ça. Et nous, on l'a, on va dire, baptisé Infusible Ink, mais c'est de la sublimation. Et donc, la sublimation, on connaît les avantages. Ça passe à la machine à laver. Ou la vaisselle. La mug press, la mug ou la vaisselle, pas la casquette. Oui, la mug, vaisselle. Bien sûr, oui. mais on fait de la sublimation sur les mugs. Sur les dessous de... Bon, et les mugs dans le lave-linge, ça ne marche pas non plus. Non. Hein, donc, là, c'est sûr que ça marche. Là, c'est foutu. Effectivement. Grave erreur. Oui, donc la sublimation marche sur les casquettes, puisque en plus, comme il y a du polystère, donc on peut avoir ce principe-là. On ne vous a pas montré, d'ailleurs, on avait fait une jolie housse de coussin. Bon, là, elle n'est pas dans son coussin. Mais... Je ne voulais pas la montrer parce que je voulais la garder pour moi. Ah, pardon. On ne la fera pas gagner. La garder, mais... voilà. Donc là, c'est aussi réalisé à la sublimation. C'est aussi sur un support Cricut. Tu le montres comme ça? Oui, peut-être. Ça sera voilà. comme ça. Voilà. Donc ça, c'est fait. C'est de la sublimation. Donc voilà, il n'y a pas de relief. C'est directement intégré dans la matière. Donc après, c'est quasiment inaltérable. Bien sûr, il faut en prendre soin. Mais voilà, donc on est sur de la sublimation. Je vous montre les détails, mais les détails et les contours sont parfaits. Très bien exécuté. Forcément, c'est fait avec de l'Infusible Ink, donc du consommable Infusible Ink à sublimation Cricut. C'est fait aussi avec une presse Cricut, donc on est vraiment dans l'environnement idéal, et voilà, on obtient des résultats parfaits et une super expérience là-dessus. Voilà. Alors, il y a aussi un truc que l'on peut faire à l'Infusible Ink, c'est utiliser des feutres. Donc, quand vous utilisez des feutres, vous pouvez dessiner quelque chose faire écrire à vos enfants. Là, il faut faire attention parce que malheureusement, il va falloir reporter en miroir votre transfert. Mais les feutres, c'est aussi une option pour faire de la sublimation, qui est assez sympa. Il nous reste une minute. 59 seulement sur la casquette. On y approche, hein. On s'y approche. On va bientôt faire le tirage. N'hésitez pas à nous dire aussi où vous trouvez l'inspiration pour vos projets. Est-ce que c'est dans les projets Design Space? Est-ce que vous flânez sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous utilisez des projets qui sont tout faits d'influenceurs que vous suivez? N'hésitez pas à nous partager vos sources d'inspiration. Et la Joy, est-ce que je peux faire du Fizzy Bulling? J'allais dire de la sublimation. Alors, c'est ce que je fais de la sublimation avec la Joy.
Alors, on peut sans problème découper des feuilles de transfert Infusible Ink avec la Joy. Tout dépend de la taille de vos motifs. Mais en tout cas, là, pour ce projet de casquette, enfin non, c'est n'importe quoi. 61 sur le bob. Donc, c'est bob ou casquette ? Casquette. D'accord. Donc, on peut tout à fait découper le transfert avec... avec la Cricut Joy, avec la Cricut Explore. Et avec oui, il suffit d'ajouter le feutre. En plus, on peut faire ça avec des feutres pour l'Infusible Ink. On peut aussi faire ça avec la Joy. Donc qui, là, vous voyez, ça a sonné. Merci Julie pour tes réponses qui est en train de se faire. La Hot Press est redescendue en température. Donc, ouf, ça va mieux. Ça va mieux. Donc, l'application me guide et me dit que je dois préchauffer à 5 secondes en exerçant une légère pression, donc je repars, je reclique sur la petite flèche, j'ai placé ma casquette et je vais presser pendant 5 secondes. Alors, les marqueurs, c'est des stylos Infusible Ink Cricut, pour répondre à la question de Nicole sur quel papier et quel marqueur. Et donc, sur, on va dire, sur le papier, j'ai un petit doute. Alors là, je donne ma langue au chat. Pardon, Quand tu écris avec la machine, oui. Avec des stylos Infusible Ink, oui. Sur quel type de papier ? Pour moi, c'est sur du papier standard, hein, du papier A4 standard, plutôt, d'imprimante un peu plus épais peut-être. Plutôt pour du papier laser. Voilà, plutôt du papier laser, mais c'est du papier classique blanc d'imprimante. Okay. Donc là, j'ai replacé mon motif. Donc je vous rappelle que là, on est sur du thermocollant qui s'active aux UV. Donc, c'est une découpe qu'on avait déjà faite. Ça, vous pouvez le faire avec la Joy, l'Explore ou la Maker. J'ai préchauffé comme me l'a demandé l'application et je vais maintenant passer au transfert pendant 90 secondes. Je rappuie sur le petit bouton. C'est ça qui va lancer le décompte. Et je peux toujours contrôler à côté sur le téléphone le décompte. Donc, on a beaucoup de personnes qui s'inspirent sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous visiter sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Cricut, sur Design Space, c'est vrai que c'est une vraie bibliothèque, une mine d'informations intarissables qui évolue en permanence. Donc ça, Design Space, c'est vraiment c'est clé pour s'inspirer, pour créer tous nos projets, les partager aussi. N'hésitez pas à partager vos projets de façon à ce qu'il y ait d'échanges qui se fassent là-dessus. Ça, c'est clé. Et puis, ça fait partie aussi de l'esprit du do-it-yourself et de... C'est une communauté qui est très bienveillante. Voilà, et on est toujours ravis de voir des nouveaux projets, en tout cas, se réaliser, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Et finalement, on trouve toujours de l'inspiration. Et c'est l'ensemble de ces contributions qui font qu'on arrive à des projets très, très sympas. Et puis, on a aussi nos artistes contributeurs. Ouais. Qui viennent enrichir en fait la bibliothèque de leur design la bibliothèque devient de plus en plus riche, donc voilà. Alors on est à 16 secondes, je continue donc les mouvements de va-et-vient avec 16 sur 90. C'est ça. D'accord, on va remeubler alors. C'est ça. Est-ce que vous avez des questions sur la Hot Press, sur les machines de découpe, sur les technologies, enfin les techniques de l'Infusible? C'est bon. Dis-moi, les 80 secondes les plus rapides du monde. Là, quand même. Non, il restait 16 secondes. Ah, il restait 16 secondes. Ok, bon, alors parfait. C'était pour que tu meubles, c'est pour ça. Donc, voilà. J'ai fini. Ça a bipé. Et pareil, comme la dernière fois, l'application me dit retirer le film protecteur une fois que le tout est froid. Et on me donne même des conseils. Attendre 24 heures après l'application avant de laver ma casquette pour que le thermocollant soit bien fixé. Voilà, ne pas utiliser d'eau de Javel, séchage à l'air libre, etc. Donc là, j'ai terminé. Et on va attendre que ça refroidisse comme tout à l'heure. Alors, la presse, oui, c'est fait pour les casquettes, les bobs, les bonnets aussi. Pourquoi pas, on peut personnaliser des bonnets. Là, on n'a pas de bonnet parce que c'est l'été, mais on aurait fait ça au mois de novembre. Bah, On aurait fait des bonnets, bien sûr. Bonnets de Donc, on peut l'utiliser l'été, mais aussi l'hiver, hein, parce que très clairement, il n'y a pas de saison pour la presse. La casquette, c'est aussi sympa pour l'automne, des choses comme ça, lorsque le temps est un petit peu plus pluvieux, lorsqu'on va aller faire du sport à l'extérieur. Donc, c'est bien sûr quelque chose qu'on utilise essentiellement l'été, mais qu'on peut utiliser l'hiver avec des bonnets, des chapeaux et des bobs. Mais celui-ci, il va falloir lui dire au revoir parce qu'il est dans le lot. Ouais. Voilà. Alors, en plus, il a un thermocollant qui s'active aux UV, donc ce sera la surprise
Mettez-vous au soleil, plein soleil, et ça a changé de couleur. C'est en bleu ou... Ah bah ça, c'est la surprise. Je ne peux pas dévoiler. Je regarde. Est-ce possible d'avoir un live sur la gravure? Alors, on a une vidéo YouTube qui détaille la gravure, mais OK, on note avec plaisir vos demandes de projet. Le chapeau est en feutre. Oui, effectivement, le chapeau est celui-ci, là. J'ai fait tomber le bob. J'ai fait tomber le bob, désolé. Mais non, il est là. Voilà. Le chapeau est en feutre, donc c'est effectivement un motif en thermocollant qu'on a appliqué. Et alors là, c'était un petit peu complexe parce que c'est la pose de deux couleurs, mais voilà, ça a très bien fonctionné. Voilà, on parlait de cadeaux. En ce moment, vous avez pu voir sur nos réseaux sociaux, on a une collection qui s'appelle collection gifting, cadeaux. Célébration. Donc, n'hésitez pas à aller voir, vous inspirer sur cette collection. Cette collection est magnifiquement faite avec plein de projets, plein d'inspirations sur tout ce qu'on peut célébrer, que ce soit un anniversaire, un mariage, une communion, tout type de réunion que l'on peut faire, célébration. Voilà, n'hésitez pas là-dessus et on vous prépare de belles surprises pour les prochaines saisons à venir là-dessus pour vous inspirer en fonction du temps, de la saison, des événements qu'on peut avoir tout au long de l'année. Voilà. Alors, on nous demande s'il y a des formations pour apprendre à utiliser Design Space. Vous avez des lives aussi sur la plateforme Cricut Learn. Vous avez des vidéos. Sur la chaîne YouTube, vous avez une playlist dédiée à Design Space avec découvrir Design Space, utiliser la barre d'outils, etc. Donc, n'hésitez pas à aller dans cette playlist dédiée à Design Space pour maîtriser le logiciel. Et puis, n'hésitez pas à nous poser toujours vos questions sur les différents réseaux sociaux. On a une grosse équipe de modération et on répond à toutes vos questions. Est-ce qu'on a un conseil pour des Colcraft? Ah non, je ne saurais pas vous dire pour des cols. Je ne saurais pas donner de conseils. On a beaucoup de gens qui nous réclament des vidéos sur la gravure. Apparemment, ça a lancé quelque chose. Et sur la superposition, donc on prend toutes vos recommandations. J'ai une question. Est-ce qu'on peut vous poser la question? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire comme cadeau pour la fête des mères ou la fête des pères avec votre Cricut? Moi, j'ai fait un t-shirt. C'est vrai? Ouais. Avec un joli motif. Excellent. Et vous, qu'est-ce que vous avez prévu? Dites-nous en commentaire ce que vous avez prévu de faire pour la fête des mères et la fête des pères en cadeau avec Cricut. Parce que très clairement, avec Cricut, je peux faire plein de cadeaux personnalisés et puis je peux faire plaisir de façon très précise à la personne que j'aime. Ça, c'est formidable. C'est vrai. Alors, on va prendre encore des questions. Et puis moi, je vais aller voir si le motif en thermocollant a refroidi. Comme ça, je vais pouvoir montrer. Un sac. Ça, c'est bien. Une bonne idée, un sac pour la fête des mères. Ah, c'est froid. Donc, c'est froid. Si tu remets le... On la remet. Super. Donc, là, je n'ai pas besoin de le laisser sur la forme. Je vais me rapprocher de vous pour que vous puissiez voir. Un sac de chez Cricut taille L. Des tasses ou trousses personnalisées. Ça, c'est très bien. Une mug aussi. Une mug. Ouais, les mugs, ça fait toujours plaisir. Franchement, ça fait plaisir. En plus, on l'a toujours avec soi. Ça, c'est valable été comme hiver. Là, on voit que ça se décolle parfaitement. Un bouquet d'anémones. En papier. On veut des photos partagées et on veut voir des photos. Et on veut bien sûr le projet en public sur Design Space pour qu'on puisse le reproduire. Ouais, ce qui est top, c'est. Ouais, c'est... Donc voilà. Ah, là. Mets le bob, Fabien. Qui m'a demandé de mettre le bob? Je demande de mettre le bob. Ah. Julie Aurel. Julie, oh oui, je ne connais pas moi, mais voilà. Voilà la jolie casquette. Voilà, on remet le bob. Voilà, juste pour la photo ou comme ça? C'est magnifique. C'est formidable, hein? Ouais. Bon, voilà, c'est juste, on adore. Je pense qu'on va vouloir t'avoir plus souvent sur les lives. Avec plaisir, j'apprends beaucoup de choses, je peux discuter avec les gens, j'aime bien, on discute de tout et de rien, et surtout des choses très intéressantes. Et le bob, voilà, ça y est. Est-ce qu'on lance le tirage au sort? Parce que là, on a le résultat. C'est magnifique. 70? On était à 80, je crois, non? Ouais, on avait dit 80. Ouais. On va enlever le bob, hein, tant pis. Non, mais voilà. Moi, je suis bien contente de cette petite casquette avec le thermocollant. Donc, l'Ad Press, juste pour résumer, avant qu'on se quitte, l'Ad Press, elle est en promo, et ça, c'est une super affaire
en ce moment, donc elle est en réduction à 129 euros. Il y a le consommable en promotion. Il y a tout un tas de choses pour vous faire plaisir chez nos revendeurs. Et puis surtout, bah, on se dit, la ad press, c'est fait pour faire des choses d'été, etc. Pas du tout, puisqu'on peut personnaliser des bonnets, on peut personnaliser des casquettes pour aller courir, pour aller au sport, pour faire plein de choses. Et donc, que ce soit pour les adultes ou les enfants, on peut vraiment faire des choses très sympas avec ça. Alors, on avait une question sur l'application sur de la laine, sur des chapeaux en laine. Ça fonctionne tout à fait. Il suffit juste de renseigner le bon matériau sur l'application Cricut Heat, comme je l'ai montré tout à l'heure. Tu rigoles. Non, mais je lis les commentaires. En tout cas, on voit que vous êtes très inspirés pour la fête des mères, parce qu'il y a beaucoup de choses. Des coussins, des tasses, des tapis de souris personnalisés. C'est vrai que ça, on ne l'a jamais fait. C'est une super idée. Est-ce qu'il est en promo dans toutes les boutiques qui revendent vos produits ou est-ce tous nos faut... meilleurs revendeurs appliquent des promotions. Après, certains ont un petit décalage, mais très honnêtement, on n'est pas obligé d'aller sur la boutique Cricut. Allez chez nos revendeurs et vous les connaissez, Insee Cultura, Zodio, Fnac, Darty. Maintenant que j'en ai cité un, il faut que je cite tous, Rugier, Play et d'autres, et même sur Internet. Voilà, donc n'hésitez pas à aller visiter les magasins ou BHV aussi qu'on a ouvert à Paris avec un énorme choix de consommables. Je crois que c'est même le plus grand choix de consommables en France. Au BHV Le Marais, en plein centre de Paris. Et vous y retrouvez nos ambassadrices, d'ailleurs, régulièrement la semaine ou le week-end pour des démonstrations, des ateliers avec un grand mur de consommables. Je crois qu'il y a presque 300 références de consommables. Incroyable. Incroyable. Eh bien, je crois qu'on est à combien là au niveau des likes sur le projet ? Est-ce que nos modératrices peuvent nous dire ? 70. Bon. Bon. Je crois qu'on va. Alors, une dernière question, puis on va lancer le tirage au sort. Allez. J'adore vos lives, c'est super bien. Quel soutien, plein d'idées, très riche, c'est superbe. Franchement, Claudine, merci beaucoup de nous faire ce commentaire parce que c'est vrai qu'on est toujours ravis de partager nos conseils et d'être là avec vous un jeudi soir. Et c'est vrai qu'au Canada, la fête des mères est passée un petit peu comme en dehors d'autres pays. Et c'est bientôt la fête des pères. Ah. Personnaliser un barbecue. Ça, c'est pas mal comme idée. Alors, il faut juste vérifier que les parties où c'est personnalisé ne soient pas trop en contact avec de la chaleur, je ne sais pas, avec le vinyle. Bon, sinon, on personnalise les pieds du barbecue, voilà, on ne personnalise pas le dos. Un tablier pour le chef. Pince, pourquoi pas, si, le manche. Alors très loin pour éviter la chaleur. Alors, on nous demande où est-ce qu'il faut liker Françoise Biget. Il faut liker le projet de la casquette que nous venons de réaliser. En fait, on en a réalisé deux, mais cette casquette. Et nos modératrices peuvent vous pousser le lien. Et en fait, arrivé à 80 likes sur le projet, il y a un super lot à gagner, une Cricut Ad Press et en plus, un bob. Et en plus, un bob. Et, fait par nos soins. Et un cutie. Et un cutie. Voilà. Elle doit se séparer comme une cutie rose. Ouais, c'est triste, mais c'est triste. Il faut laisser mais, savoir mais il partir. Sera bien, il sera bien adopté, voilà. Il sera bien accueilli, voilà, il sera heureux. Hein ? En tout cas, il y a beaucoup de gens qui créent pour la fête des mères. C'est, voilà. Et on est ravis de voir tous vos projets. Une trousse, des cartes. Sylvie, vous venez d'arriver, mais c'est pas grave parce que tous nos lives sont en replay. Vous les retrouvez toujours sur notre chaîne YouTube Cricut France. Vous pouvez d'ailleurs vous faire une soirée live. On les met tous. On lance le tirage au sort. Ah, apparemment, on est à 88. Ah, on peut lancer le tirage au sort. Oui, on peut lancer le tirage au sort. Lançons le tirage au sort. Allez, je vais pas voir ce qui se passe. Tu vas dire au revoir à ton bob. Bah, oui, mais je l'ai porté, il faudra le laver. Oui. Il faudra le laver. Je te laisse. De toute façon, ça passe à la machine à laver. Tout à fait. Sans aucun souci. Sans aucun souci. Non, il fait bien l'odeur. Nos modératrices nous disent que peut-être qu'il y a des fans de l'odeur de Fabien. Non, mais je n'ai pas d'odeur particulière. Ah. Bien sûr. Alors, n'hésitez pas, je relis encore vos questions. Un cutie, vous allez pouvoir gagner. J'ai bataillé parce qu'elle ne voulait pas au début. Un cutie. Pour la communauté, c'est important. Ah oui, la fête des mères est aussi passée en Belgique. Oui, bah oui, il n'y a qu'en France où on est très en retard. Ben, la France, on est français. Voilà,
pays méditerranéens. Je crois qu'ils sont un peu plus en retard. Je crois que l'Angleterre est au mois de mars et je crois que c'est passé au mois d'avril ou un truc comme ça. Alors là, on nous, y a une question technique sur la gravure sur du plexiglas, sur l'épaisseur maximum. Ben, je pense que c'est l'épaisseur en maximum acceptée par la machine qui est 2,4 mm. J'espère que je ne me trompe pas en disant ça. Le Bob Rouge a un succès incroyable. Je crois que c'est la star du live. Avec le QT, il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à adopter le QT. Le suspense est à son comble parce qu'on attend le tirage au sort de nos modératrices. Alors, modératrice ? Ah, c'est Camille Binet qui remporte l'AdPress, le Bob personnalisé et le QT Rose. Ah. Bravo Camille, si vous êtes là. Bravo. N'hésitez pas à nous le dire. À tout le monde veut le QT, hein, c'est incroyable. Le QT, je crois qu'on les retrouve dans les Mystery Box. Exactement, dans les Mystery Box. Je ne me trompe pas, je crois que je ne donne pas un mauvais indice en disant que lorsqu'on commande une Mystery Box et qu'on a un abonnement Cricut Access, on a accès au Mystery Box qui permet d'avoir des QT. Alors, est-ce que Camille peut nous faire un petit message pour nous dire qu'elle a bien vu son tirage au sort ? Ah, je crois que j'ai vu. Ah non, t'as enlevé. Camille. Non, Camille, submergée par l'émotion. Voilà. Camille s'en est allée. Bravo, quel cadeau, oui. Alors après, vous avez toujours la possibilité de participer à notre challenge pour personnaliser vos couvre-chefs, chapeaux, bob, pourquoi pas les bonnets. Pour ça, il suffit de partager vos créations sur nos réseaux sociaux avec le hashtag que j'essaye de retrouver, mais que les modératrices vont nous mettre dans le chat. Vont pousser. Vous pouvez tenter de gagner 3 lots. Et effectivement, il y aura de nouveau des AdPress à gagner. Donc, n'hésitez pas à participer à ce challenge. On a vraiment hâte de voir toutes vos créations. Je regarde encore un petit peu les questions. La presse est un rêve pour réaliser pour mes 9 enfants et mes petits-enfants. Waouh, wow. Incroyable. On nous demande si on peut graver avec l'Explore 3. Je crois que c'est qu'avec la Maker qu'on peut graver. Maker 3. Heureusement qu'il y a des modératrices. Oui, heureusement, parce que... Effectivement. Bordel, son nom. voilà, mais je crois qu'on est arrivé. Écoute, on va aller à la plage, nous. Hein. On a le bob, on a le sac. Exactement. On a la crème solaire, la fameuse. La fameuse crème on a la bouteille de rosé, on a le guacamole. Il est temps d'aller prendre l'apéritif et puis de vous souhaiter une très, très belle soirée, belles créations, en espérant que ça vous ait plu, et puis de vous revoir très prochainement. Et partagez-nous un maximum de réalisations et de projets que vous faites sur Design Space. Et visitez nos réseaux sociaux pour venir voir, vous inspirer, puisqu'il y a toujours quelque chose à découvrir très régulièrement. Ces collections, notamment la dernière collection Célébration, elle est formidable. Et vous avez plein d'autres surprises d'inspiration qui vont bientôt arriver, qui vous attendent. Voilà. Merci, bonne beaucoup. Soirée. On vous souhaite une très, très bonne plage. Soirée. Oui, et on a hâte de voir vos créations pour le challenge AdPress. Et puis, Camille, on veut te voir en photo avec nous. Oui, on espère. Parce qu'on lui dit au revoir ce soir. C'est ça. Bye bye, merci.